C'est dans une toute petite commune, Ménil-sous-Vienne, que les escargots de la Broche attendent d'être dégustés lors des fêtes de Noël. Élevés de février à septembre, les escargots sont ramassés en automne. Après une période de jeûne, ils sont placés en chambre froide, avant de passer entre les mains expertes de Marie-Pierre. Elle les ébouillante, vide les coquilles, retire le foie, les rince à grande eau et les plonge dans le sel pour retirer la bave. Entre la chambre froide et cette pièce, c'est le principal, c'est là où l'escargot il doit être correct, présentable. On est quand même tenu par ça, puisqu'on a un pied et il ne doit pas, bon, c'est pas non plus un centimètre près, mais on est tenu de présenter une chair belle, propre, à la vue. Une deuxième phase permet d'affiner le travail. L'ancienne opticienne, Caroline, a l'œil exercé pour préparer ses gastéropodes. Son élevage en produit 2 tonnes par an, environ 120 000 escargots. Je les trie par calibre. Calibre petit, moyen, gros. Pour après pouvoir les mettre en verrine par calibre. Après avoir été répartis dans des verrines, les escargots sont stérilisés pendant 2h30. Décembre est une période de très forte activité pour Caroline. Ce mois représente 50% de ses ventes. C'est notre grosse période, beaucoup de marchés de Noël et les marchés de producteurs que l'on fait tous les mois, où il y a aussi une forte demande sur l'escargot. Ces escargots sont aussi vendus en coquilles. Ils sont mélangés à du beurre, de l'ail et du persil. Des préparations que Caroline vendra sur les marchés normands et en particulier sur le marché fermier de Noël à Évreux, à l'hôtel du département.